qui me peine le plus, c'est lorsque je veux exprimer une idée, mais que personne ne me comprend. Je peux l'exprimer le plus clairement possible, mais il y aura toujours des gens qui n'auront aucune idée de ce que je dis. Comme si je parlais une langue étrangère en quelque sorte. Je me suis souvent sentie frustrée, décalée ou stupide à cause de ça. J'imagine que c'est pour cela que je préfère danser plutôt que de parler. Parce qu'au final, personne n'essaie de comprendre un mouvement et le regarder puis c'est tout. Bien sûr, il y a les professionnels, les critiques, mais les gens s'arrêtent sur ce qui est superficiel. Et si c'est plaisant à voir, ça suffit pour leur faire passer une bonne soirée. Finalement, l'art n'échappe peut-être pas aux règles et aux traditions. Peut-être que nous ne serons jamais vraiment libres en tant qu'artistes. Peut-être que nous sommes dictés par des lois qui nous surpassent. Selon moi, l'art est synonyme de liberté, de gravité, d'intensité. Je n'imagine pas ma vie sans art, sans folie, sans drame, sans innovation. C'est une thérapie qui persistera aussi longtemps qu'on exprime notre liberté sans peur, sans restriction. Car la restriction est partout, partout. Autour d'un feu rouge, autour du prix d'un ticket de métro, autour de la langue que l'on partage avec nos proches, autour du mode de vie que l'on désire vivre. Finalement, nous ne sommes libres de rien, et c'est bien ça le problème. Et c'est bien ça le problème. Et c'est bien. Et c'est bien ça. Et c'est bien ça le problème. Et c'est bien ça le problème. Ce qui me peine le plus, c'est ce qui me peine. C'est ou stupide à cause de ça. Ce qui me peine le plus, c'est et c'est bien ça le problème. Ce qui me peine et c'est bien ça le problème. Ce Ce qui me peine le plus, c'est lorsque je me suis exprimé une idée, mais que selon moi, l'art est synonyme de liberté. Je peux l'exprimer le plus clairement possible. Il y aura toujours des gens. Je n'imagine pas ma vie sans art, sans folie, comme si je parlais une langue étrangère en quelque sorte. C'est une thérapie, souvent sentie thérapie, qui décalera aussi longtemps stupide à cause de notre liberté. J'imagine que c'est pour cela que je préfère casser les restrictions dans l'espace aussi longtemps. Parce qu'au final, personne ne s'est trompé sans restriction. Il est regardé les décisions et partout de la langue. Bien sûr, il y a les professions ferroviaires. Les gens s'arrêtent sur ce qui est superficiel. De la langue, si c'est plaisant à voir, c'est suffisant. On va passer une mode qui n'aura aucune. Selon moi, l'art est synonyme de liberté. Comme si je parlais une langue étrangère en proche, autour du mode de vie que l'on désire vivre. Finalement, nous ne sommes libres de rien. Et c'est bien ça le problème.